Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Mighty Gra pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Alors aujourd'hui c'est avec une joie intense que je vais vous présenter une figurine que j'attendais vraiment avec impatience. Et cette figurine n'est autre que le Sagittaire en version EX pour la série Soul of Gold, donc SOG. Alors un grand merci à mon partenaire de choc, donc NGS, qui m'a procuré cette figurine dans un délai vraiment remarquable. Et je vais pouvoir, grâce à cette société, à NGS, à mon partenaire, vous présenter, peut-être pas en exclusivité, car d'autres l'ont déjà reçu avant moi, mais je vais pouvoir vous présenter très rapidement donc la preview de cette figurine que beaucoup d'entre vous attendent également avec impatience. Et nous allons pouvoir voir un petit peu les côtés positifs et négatifs de ce personnage. Alors, vidéo qui se déroulera en trois étapes comme d'habitude. Donc la première étape qui est la présentation de la figurine. La seconde étape qui est le montage de la figurine. Et la troisième étape qui est le posing de la figurine en dehors et à l'intérieur de la vitrine. Alors, mais que dire déjà? Que dire en voyant cette magnifique boîte? Parce qu'il faut bien l'avouer, cette boîte est magnifique. On se rend compte très rapidement de la qualité du personnage et de la beauté visuelle de celui-ci. On a une boîte qui est beaucoup plus large. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, donc là on a vraiment un personnage qui est magnifique sur la boîte. Il est très très bien réalisé. Beaucoup un côté très adulte dans le personnage, forcément. Donc voilà. Alors, on peut remarquer ici qu'il y a un petit truc en japonais, écrit en japonais, où il fait écrit 4. Donc 4 quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette boîte, il y a un petit bonus que je vais vous expliquer, vous montrer dans quelques minutes. Alors, on va faire le tour de la boîte. Là, on a le socle de l'armure qui est tout simplement grandiose. Alors, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir faire les socles. Faute de place, faute de moyens, parce que, bon, évidemment, ces figurines coûtent assez cher. Donc, les faire en doublon, ça risquerait de coûter un peu beaucoup. Et faire les socles, même s'ils sont, je trouve, vraiment splendides, n'apporterait aucun intérêt à ma collection, dans le sens où les socles n'apparaissent pas vraiment dans la série. Et même s'ils sont très proéminents, il me faudrait facilement 3 étages pour pouvoir combler les 12 socles. Voire 4 étages, tellement ils sont imposants. Alors, on va attaquer l'autre côté. Là, nous avons le chevalier du Sagittaire dans une pose avec son fameux arc à flèche et la flèche. À mon sens, je pense le poser sans son arc à flèche et sans sa flèche, pour une fois. On verra un petit peu ce qu'on va faire. Et enfin, nous avons l'arrière de la boîte avec une pose d'attaque avec son arc à flèche, une autre pose d'attaque que vous voyez ici avec le poing dressé qui est magnifique. Mais bon, moi, je ne peux pas exposer le personnage dans une pose de ce style, une pose attaque, étant donné que je suis dans une pose générique, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Mes poses sont plus centrées sur l'aspect générique de l'animé. Là, nous avons le socle, et là, nous avons les visages. Donc, un très beau visage ici, qui est le visage qui est directement sur le personnage. Un visage bouche ouverte, que je n'aime pas. J'aime pas trop ces visages bouche ouverte. Je trouve que ça dénaturise un petit peu le personnage lorsqu'il est en position générique. Là, nous avons les yeux fermés, qui est splendide. Nous avons un autre visage apparente, qui permet au personnage d'exprimer un sentiment de colère ou d'énervement. Nous avons les yeux fermés ici avec le coin de la bouche légèrement relevé pour montrer un petit côté irrité, un petit côté où le personnage est peut-être un air supérieur, voilà. Moi, je vais opter pour ce visage, c'est une certitude. Voilà, j'aimais beaucoup ce visage et celui-ci, mais je vais opter pour celui-là. Alors, moi, je vous propose directement de passer au contenu des blisters. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je pense que ça pourrait vous intéresser. On y va! On va attaquer dans un premier temps donc le premier blister que nous allons visiter ensemble. Et dans ce premier blister, nous avons bien entendu la figurine avec ce fameux visage que je viens de vous montrer, totalement magnifique. On retrouve bien entendu la couleur rouge bordeaux que nous avions sur l'ancienne figurine. Nous avons les 4 visages que je viens également de vous montrer, une partie de l'armure. Beaucoup, beaucoup de pièces pour ce personnage. Nous avons 2 couleurs encore, ce fameux jaune doré et ce côté jaune un peu plus pâle. Donc 2 ors, en fait, un or blanc et un or doré. Voilà le contenu du premier blister. Nous allons attaquer le second blister, que voici.
Dans ce blister, nous avons l'attache pour le dos, sans doute pour placer les ailes, un petit socle, des pièces pour le socle probablement, la flèche et l'arc à flèche. Voilà. Donc rien de particulier dans ce deuxième blister, mais nous allons attaquer le troisième blister qui est un peu plus pesant. Et là, nous avons les ailes. Regardez, ces fameuses ailes hyper proéminentes pour lesquelles ce petit chiffon à lunettes va servir pour pouvoir supprimer les traces de doigts. J'avais déjà expliqué que je n'utilisais pas de gants parce que j'aime sentir la matière dans mes mains. J'aime avoir le contact. Avec des gants, je n'ai pas l'impression de pouvoir monter facilement la figurine. J'ai l'impression que les pièces glissent, etc. Et je n'aime pas trop ça. Alors, mis à part le blister, je vais reposer l'appareil photo et je vais vous montrer le contenu. Nous avons bien entendu le mode d'emploi, la notice, toujours aussi bien faite, aussi précise et nécessaire, très 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 important, elles sont nécessaires les notices pour ces personnages SOG qui sont énormes au niveau des armures. Je pense que en réfléchissant un peu, en y mettant un peu de bonne volonté, il y a moyen de monter la figurine sans notice, c'est possible. Par contre, le socle, oubliez les amis, hein, oubliez. Monter le socle sans la figure, sans le, la notice, je pense que c'est du delà du rêve, en fait. Hein. Je pense que c'est vraiment mis à part si on l'a déjà fait une fois et qu'on se souvient et que voilà. Mais je pense que c'est totalement impossible de monter le socle sans cette notice. Donc, notice très très importante. Dans le cas où l'un d'entre vous aurait, par un accident ou quoi, perdu une notice pour un personnage aussi compliqué, n'hésitez pas sur la communauté Senseiya, sur les différents forums, etc., à demander éventuellement une photocopie ou une photo tout simplement de la notice afin de pouvoir vous aider. Hein. Je pense qu'il y en a bien une qui pourra vous aider. Alors, dans l'emballage de la notice, nous avons également, comme à l'habitude, cette petite carte qui vient compléter maintenant les autres cartes qui viennent s'additionner au petit classeur fourni avec la première version du Lion SOG, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, comme toujours, à mon sens, une carte bien, bien, bien inutile, quelque chose de carton très épais, mais voilà, c'est pour moi, c'est totalement inutile. Par contre, les amis, dans cette boîte du Sagittaire, je recule les trois blisters, nous avons un petit bonus qui n'est pas inintéressant. Voilà. Je vais vous montrer d'abord la notice de ce petit bonus. Nous avons quatre panneaux. Quatre panneaux qui servent à quoi? Une fois que vous repliez ces petits panneaux que je vais vous montrer, vous pouvez tout simplement créer un mini décor d'une constellation, de la constellation qui va vous permettre d'être placé juste à l'arrière du personnage et de donner à ce personnage une autre dimension. Regardez-moi ça. Nous avons un décor pour le Capricorne. Regardez. Vous venez en fait plier les côtés de ce petit carton, ainsi que le côté ici. Vous ramenez ça, et en fait, vous allez avoir un support de ce style, en fait. Regardez-moi ça. Et vous pourrez placer votre figurine juste devant ce support, qui est tout simplement magnifique. C'est du carton épais, donc ça ne tombe pas. Donc celui qui n'a pas de décor pourrait placer ceci et placer sa figurine juste devant. Magnifique. Nous avons également celui du Sagittaire, que voilà. Nous avons celui du Cancer. Regardez-moi ça, superbe, hein. Et nous avons enfin celui du Bélier. Voilà. Nous avons donc dans cette boîte quatre panneaux pour les figurines, ce qui laisse présager que les prochaines figurines, nous offrirons les 4 autres suivants, et ainsi de suite, pour avoir les 12 panneaux. Donc je trouve ça très très sympathique, quand on regarde l'échelle, regardez, on regarde l'échelle du personnage et de l'image, c'est pas mal. Avec le socle rouge fourni pour les SOG, je pense que ça peut donner pas mal. Un bon compromis pour qui n'a pas forcément les moyens de s'offrir des dioramas, parfois très très onéreux. Moi, je vous propose donc maintenant, on va faire un petit peu de rangement en live, je vous propose de déplier cette notice, de la mettre bien visible pour moi en tout cas, de passer au premier blister, je vais baisser légèrement la lumière qui est assez forte et qui risque de me gêner, voilà, et je vous propose d'attaquer le vif du sujet avec le montage de cette figurine. Alors,
Je viens de sortir donc le Sagittaire de son emballage. Et la première chose que je peux remarquer, et qui est très très importante pour ce type de personnage, c'est la rigidité des jambes. Nous avons une rigidité vraiment très très importante, qui est nécessaire pour ce type de personnage, étant donné le poids de l'armure et surtout des ailes. Les bras, quant à eux, sont très rigides aussi, la tête aussi, tout est rigide. Voilà, non, personnage très rigide. Le personnage risque d'être très lourd. J'ai pu avoir quelques avis concernant les ailes. Il est très très lourd. Moi, je vous propose de démonter ce personnage au plus vite. Donc, en retirant les pieds, les mains, comme d'habitude. Voilà. La tête. Voilà. Une pièce qui est tombée juste en dessous. Voilà, ici, on va la ranger. Voilà. Et alors, on va attaquer le montage du personnage. Donc, comme d'habitude, on attaque les cuissardes. Cuissardes très très lourdes et très 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 imposantes. Je pense que ce personnage risque d'être le plus beau des SOG. Je pense. Maintenant, à chaque fois qu'un personnage, SOG sort, on se dit la même chose. Il va être le plus beau, etc. Tellement ils sont... Tellement ces personnages nous épatent, de par leur beauté. Alors, ça c'est une petite pièce qui est en plastique, par contre. Voilà, nous allons... Attendez, je regarde... Ah, mais cette pièce-là, attendez. Oui, elle vient se placer quand même sur le genou, voilà. Non, je me trompe. Cette pièce vient se placer sur le bras et pas sur le genou. Vous allez voir dans la boîte. Ne vous trompez pas, ne faites pas comme moi. Vous avez la petite pièce que je viens de vous montrer à l'instant, et vous avez cette pièce-ci. C'est celle-ci qui vient sur le genou, hein, pas l'autre. L'autre, c'est pour placer sur le bras. On va enfoncer cette pièce, qui s'enfonce relativement facilement, espérons qu'elle tienne. Nous avons la jambière. Waouh, regardez-moi ça, quelle jambière. Un poids de dingue. On va l'enfoncer calmement. On va prendre le pied, on va l'enfoncer également. Voilà, une jambe de fête. Mais nous avons... Et ça, c'est la petite partie que je n'aime pas trop sur ce personnage, en tout cas sur la version normale. C'est cette petite partie qui vient se mettre sur le pied et qui a tendance... Ah, elle ne se met pas sur le pied, ici, elle se met sur l'armure, regardez. Elle se met sur l'armure et pas sur le pied. Vous avez deux petits trous ici, regardez. Vous venez... Le clip, c'est... Sur le pied. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Oups, la pièce a sauté. Vous voyez ? Les pièces ont tendance à sauter lorsqu'elles sont comme ça. On va essayer de placer ça. Une fois que c'est placé, mais la difficulté, c'est justement de le placer, les amis. Voilà. Ouh, aïe, aïe, aïe. Elle a sauté et elle est partie très loin dans la pièce. Un petit instant, je vais la chercher. Vous voyez, je vous l'avais dit, cette petite pièce risque de me causer pas mal de soucis et de vous causer pas mal de soucis. Donc restez bien calme. Inutile de s'énerver. Oh là 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 là. Je disais inutile de s'énerver. Je sens que je suis en train déjà de m'énerver. Voilà, elle est placée. Voilà, une fois que le clip s'est placé, je pense qu'elle va tenir. Regardez, elle peut coulisser sur l'avant. Comme ceci, je pense qu'elle va tenir. Donc, on va frotter légèrement, parce que fortement manipulé, et comme c'est du plastique, ça laisse vraiment les traces de doigts. Voilà. Le métal laissant moins les traces de doigts, mais le plastique, ça, ça ne pardonne pas. On attaque la deuxième cuissarde. La deuxième genouillère. Ah, je suis excité de vous montrer cette figurine, hein. Sincèrement, je suis très 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 excité. Pendant le montage de la figurine, je vais en profiter pour faire un énorme coucou à Cécile. Cécile qui va se reconnaître, avec qui j'ai passé un super moment. Super moment entre fans. Une personne vraiment très très sympathique qui est venue à la maison pour m'acheter deux décors, deux dioramas que je revendais tout simplement pour laisser place à l'arrivée de d'autres dioramas. Et cette personne est vraiment super.
Vraiment une personne avec un grand cœur. C'est toujours plaisant de recevoir à la maison des gens comme ça qui partagent une même passion et qui proviennent pourtant d'univers différents et de régions différentes. Cette personne venant de France, ça a été vraiment un très très grand plaisir de la recevoir. Voilà. Cécile qui a d'ailleurs, par ailleurs, déjà monté son Sagittaire et qui a été très très contente. Voilà, donc tu vois Cécile, moi aussi je vais monter mon Sagittaire. Voilà, regardez, on est arrivé plus facilement pour cette jambe. Voilà, on va frotter également cette petite pièce. Voilà, vous voyez un petit linge à lunettes comme ça, c'est très facile, ça supprime les traces de doigts et c'est très très facile. Voilà. De toute façon, on risque de manipuler encore les jambes par la suite. Donc, on devra refrotter un petit peu. Voilà. Voilà déjà une première partie de montée. Pas de grosses difficultés, si ce n'est cette petite pièce en plastique. Il faut vraiment monter calmement pour que cette pièce vienne vraiment se clipser dans la partie de l'armure, vous voyez. Mais une fois qu'elle est montée, elle est montée. On va maintenant attaquer les avant-bras. Alors, full métal également. Hop. Avant-bras que l'on va mettre, bien entendu, légèrement de côté. Voilà, bien le monter bien haut, pardon. On va prendre ce n'est pas un avant-bras. Je me trompe toujours dans mes vidéos. Je me remarque en les revisualisant par la suite que je me trompe. Ce n'est pas un avant-bras, mais une brassière. Ceci est un avant-bras. Maintenant, on prend l'avant-bras comme ceci. Voilà, que l'on va monter également. Voilà. Par contre, on remarque tout de suite que la brassière est trop haut comparativement à l'avant-bras. Donc, il va falloir jouer de stratégie pour descendre légèrement la brassière. Attendez. Voilà. Pour cacher les articulations, vous voyez, pour cacher un maximum l'articulation, qui dans ce cas-ci est très très désagréable au visuel. On va passer sur deux mains fermées. Je pense passer sur deux mains fermées. On va faire le test de toute façon, on verra par la suite. Mais dans un premier temps, on va passer sur la main fermée. Alors. Faites attention aussi les amis, lorsque vous placez votre main, vous n'avez que deux petites parties pour recouvrir vos mains. Donc ne les perdez pas, car elles sont précieuses et vous n'en avez que deux. Vous venez placer la main. Voilà, une première main de placée, comme ceci. Il y a de grandes chances que cette main ne reste pas et qu'on se base sur une main un peu plus adaptée au personnage. Hein. C'est provisoire, c'est uniquement pour le montage de la figurine, on verra pour la pose par la suite. Hein. Voilà, on va placer le bras, l'autre brassière. Nous attaquons à présent, voilà, l'autre avant-bras. Voilà. Et là, nous allons prendre l'autre main, mettre l'attache sur la main, et nous allons placer, voilà, qui s'enfonce très très bien. Pas de gros problèmes pour les mains. Voilà. Ce personnage, je pense que ce sont les ailes qui font tout. Hein. Donc, il n'est pas vraiment important de se focaliser sur les mains pour l'instant. On verra une fois que le personnage... Oh là là, j'ai fait tomber l'appareil photo. Voilà. Plus de peur que de mal. Voilà la magie du live. Alors, par contre, je vous avais parlé tout à l'heure de deux petites pièces
que je pensais qui venait sur les genoux et qui était cette petite pièce. Mais en fait, cette petite pièce vient sur le bras et pas sur le genou. Derrière, vous avez, regardez, vous avez un petit trou sur l'avant-bras sur lequel vous devez venir placer cette pièce. Et cette pièce se place vers le haut comme ceci. Regardez, vous avez le petit trou qui vient se placer dessus et vous l'enfoncez comme ça. Alors, va-t-on y arriver? Je crois qu'on aurait peut-être dû le faire sur l'armure avant le placement du personnage. Ça ne s'enfonce pas super bien par contre. Voilà, c'est enfoncé. Mais c'est pas super bien enfoncé, les amis. Hein. Je dois bien vous avouer que... Et c'est pourtant dans le bon sens. Je ne me trompe pas. Attendez, je vais regarder dans le mode d'emploi. Non, c'est bien ça. Il faut bien que cette partie, en fait, que la partie ici, la partie supérieure, cache, en fait, le coude. Tout simplement. Voilà, donc en mettant cette partie comme ceci, vous venez recouvrir le coude, voyez? Regardez. Voilà, on va replacer la main. Cette partie n'a pas l'air de tenir très très fort, donc soyez vigilants au moment du placement. Hein. On va replacer la main calmement, en essayant de ne pas refaire tomber cette partie. Il y a beaucoup de pièces sur ce personnage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Voilà, regardez. L'autre, on va essayer de la placer sans devoir retirer le bras. En espérant que ça aille un petit peu mieux. J'ai dit en espérant. Oh, ces petites pièces qui glissent. C'est très léger, c'est full plastique et ça glisse. Voilà. Cette petite pièce est placée et bien enfoncée. Voilà. Bien enfoncée. On va essayer d'enfoncer de l'autre côté aussi. Voilà. C'est bien enfoncé, ces deux petites pièces sont mises. Vous voyez? Voilà. Chose faite. Et je suis pas mécontent. On va à présent, donc, je regarde le mode d'emploi avec vous. Nous avons attaqué les jambes, nous avons attaqué les bras. Nous allons attaquer la partie du buste. Alors, nous relevons les bras de la figurine, toujours en faisant attention de ne pas faire tomber ces petites parties en plastique. Et nous allons aller rechercher la partie du buste. Alors. C'est un montage, à mon avis, qui va être un peu plus long que d'habitude, étant donné le nombre de pièces du personnage. Voilà, donc nous avons cette partie. Avec la partie en relief et en dessin qui vient se placer sur l'avant. On relève le buste du personnage comme je viens de le faire. On place le buste. On vient mettre l'autre partie et bien la serrer. On rabaisse le buste. Un petit linge doux. Vous pouvez le faire tout de suite ou après. Pour frotter les traces de doigts si vous n'utilisez pas de gants et que vous êtes comme moi. Voilà, là on a retiré toutes les traces de doigts. Et enfin, va venir la partie du poitrail. Voilà, et là on va venir par le dessous, comme d'habitude, venir serrer cette partie. Voilà, une bonne chose de faite. Ensuite vient la ceinture. Cette ceinture énorme qui est recouverte par des plastiques. Vous retirez simplement les plastiques. Rangez-les bien, ne les perdez pas, ne les jetez pas surtout. Et là, vous avez une ceinture énorme. Et là, ma crainte, c'est cette fameuse ceinture. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette ceinture est totalement démontable. Mais surtout,
Voilà, vous retirez la partie ici, juste sur l'avant, comme ceci. Mais surtout, vous avez cette petite pièce qui va, je pense, m'énerver. Vous écartez la ceinture, vous retournez le personnage et vous venez placer la ceinture dans le petit trou prévu à cet effet. Voilà, vous resserrez la ceinture. Jusque-là, pas de gros problème. Là où il va y avoir un gros problème, c'est pour refermer la petite pièce au-dessus. Ça commence déjà, regardez. Alors. Ah, cette pièce est rentrée, super, mais elle va ressortir, j'en suis certain. Par contre, pour placer juste la pièce en dessous, vous allez devoir jouer de stratégie. Si vous la placez par le dessus comme ceci, tac, en la coulissant, vous allez faire sauter cette pièce. C'est une certitude. Elle ne tient à peine cette pièce. Donc, ce que vous devez faire, c'est, étant donné que cette pièce est movible, ramenez-la vers l'avant comme ceci et venez placer la pièce comme ceci. Vous voyez, vous l'enfoncez comme ceci. N'oubliez pas de ramener un peu plus la pièce vers le bas pour être sûr. Et puis, vous venez tout simplement ramener la pièce vers le bas. Comme ça, ça vous évite que la pièce supérieure ne saute. Donc, vous avez compris, hein, vous ramenez la pièce de face. Vous mettez la pièce de face. Voilà. Ben voilà, on a eu un peu plus de bol que prévu. On va ramener les bras. Voilà. J'ai vraiment peur de la manipuler parce qu'il y a beaucoup de pièces, notamment sur les bras, sur les pieds, etc., les genouillères et compagnie. Et j'ai peur que ces pièces tombent. Voilà. On voit que la figurine est très très lourde, elle manque déjà de stabilité. Hein. On va maintenant attaquer les bras, enfin les bras, les épaules. Et là, je vois que dans la boîte, nous avons deux petites pièces qui viennent maintenant, regardez, avec deux petits trous, deux petits clips ici. Et ces pièces, a priori, viennent s'accrocher sur les avant-bras, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Alors... Oh là là, ça va pas être une mince affaire non plus, ça. Cela ne va pas être une mince affaire pour monter ces pièces. En fait, ce ne sont pas deux clips, mais regardez, ce sont deux petites aspérités qui dépassent, comme ceci, et vous allez devoir venir les placer à serrage. On va essayer de trouver la meilleure solution. Je crois que c'est d'attaquer un côté et puis l'autre. Voilà, elle est placée. Et puis ça bouge forcément, mais ça permet de... Regardez, vous remontez le bras un maximum pour que cette pièce donne le meilleur d'elle-même hein, et le plus bel effet, voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que de ce fait-là, vous pouvez baisser l'avant-bras, la brassière, pardon, vous voyez, je me trompe encore. Vous pouvez baisser la brassière et redescendre ceci pour qu'on ne voit pas trop le bras, regardez. Vous voyez, en redescendant la brassière, faites attention de bien redescendre en dessous de cette partie en plastique qui vient recouvrir le coude. Voilà. Et maintenant, on va attaquer la seconde. Voilà, plus facile à mettre. Une fois qu'on a trouvé le système, c'est beaucoup plus facile à mettre. Voilà. Et là, on a... déjà une partie des épaulettes qui sont fixées. Maintenant viennent fatalement les grosses épaulettes. Celles qui sont les plus importantes. Regardez-moi ça, les amis. Quelles épaulettes. Monstrueuses. Allons-y. Monstrueuses dans le bon sens du terme, bien entendu. Hop, ça se fixe. Regardez, ça se fixe tout seul. Enfin, une pièce qui se fixe toute seule. Plaisante à monter. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas tout simplement magnifique, moi, j'y connais rien. On va mettre... Ah ben, regardez. J'ai l'avant-bras, l'avant-main qui s'est détaché. Voilà. Regardez. On va déjà mettre son poing comme ceci. L'autre
comme ça. On va déjà essayer de lui donner une petite pause. Voilà, regardez. On va ramener son point légèrement vers le dessus, comme ceci. Vers l'arrière, comme ceci. La tache de la main s'est encore détachée. C'est pas la première fois qu'elle se détache, c'est celle-ci. Donc faites très attention de ne pas être dans le même cas que moi. Voilà. Par contre, au niveau du point, je pense qu'on va devoir s'organiser la pose par la suite. Tout simplement parce que viennent les ailes. Et je pense que le point va gêner au niveau des ailes. Donc on va... Ah, regardez, elle se détache encore. Oh là là, je sens que la patafix va être mon allié pour ce personnage. En tout cas, pour cette partie de main. Voilà. Bon, écoutez, on va pas chipoter plus longtemps. On va directement, à présent, attaquer le visage, la tête. Donc on va récupérer le casque, la tête. Mais pour... on va conserver cette tête, mais simplement changer la chevelure de l'avant pour pouvoir y placer le casque. Donc, on vient placer la chevelure à trous. N'oublions pas non plus les cheveux qui viennent dans le cou. On vient les placer directement sur la figurine. Ne vous embêtez pas à mettre cette pièce sur la figurine, à essayer d'appuyer la tête dedans. Venez la directement placer directement sur le personnage. Et on vient mettre le casque. Alors, ce casque... Y a-t-il une ruse? Non, voilà, regardez. Oh là 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 là, regardez ce casque qui est tout simplement magnifique. Ensuite, vous prenez la tête et vous venez avec la petite chevelure de derrière, tout simplement, calmement, l'enfoncer. En une fois. Sur le personnage. Ça n'a pas marché chez moi. La tête est un peu dure. On va réessayer ça. On va peut-être mettre le casque par la suite pour éviter justement d'abîmer la couleur. Et on va peut-être juste enfoncer. Voilà. Ça fait clips, c'est enfoncé. Voilà, regardez. Voilà, et maintenant je vais venir replacer le casque. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Cette figurine est la plus jolie de toutes les versions SOG que j'ai pu voir pour l'instant. Mon Dieu, ce visage, les amis! Oh là 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 là, regardez-moi ça! Regardez-moi ça, cette classe de visage! Mon Dieu, qu'il est beau! Waouh! 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 Pas besoin de lui faire une pose super monstrueuse. Pas besoin de lui faire une pose... Pas besoin, tout simplement. Pas besoin. Et voilà. Rien que le personnage en impose déjà de par lui-même. Alors, on va à présent... Attendez, je regarde. Pour les ailes, comment procéder? Tout simplement, en allant les chercher dans la boîte. C'est la partie qui me fait... Le plus peur. Oh là là, ces ailes sont hyper lourdes, les amis. Elles sont plus lourdes que le personnage. Donc, vous voyez, vous avez du plastique qui protège les ailes, mais faites attention, elles sont hyper, 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 hyper lourdes. Donc, c'est bien exact ce que j'avais eu l'occasion de lire sur Facebook. En mettant les ailes, le personnage va partir sur l'arrière. Il y a de grandes chances. On va déplier les ailes. On va retirer les bouts de plastique. Voilà, plastique de protection que vous gardez également en boîte. Voilà, on resserre les ailes. Mais bon sang que ces ailes sont... Oh là là, c'est lourd. C'est lourd, les amis, c'est vraiment très, 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 très lourd. Je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est lourd, mais ça pèse beaucoup plus lourd que le personnage. Et on vient... Voilà. Et oui, effectivement, le personnage part en arrière. Donc vous ne sauriez pas le faire tenir debout. Vous ne sauriez pas. Le personnage est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd pour tenir de lui-même. Donc moi, de mon côté, regardez, il va vraiment falloir un élément de décor ou quelque chose pour le faire tenir. Vous voyez? Parce qu'il part en arrière. Ça, vous ne sauriez pas faire autrement. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Il est très, très imposant. Regardez, les ailes déployées. Waouh, regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Je vais être obligé de vous faire une vue au loin. Regardez-moi ça.
Waouh, quelle classe! Très honnêtement. Bon, moi de mon côté, je le préfère avec les ailes remises normalement. J'aime pas trop ce type de personnage. Voilà, regardez. Ah, mais regardez, on sait bouger les ailes de cette manière. Est-ce qu'on sait les pivoter vers l'arrière? Attendez, la bonne question. Parce que alors, dans ce cas-là, on va peut-être pouvoir jouer sur un point de stabilité qu'on va découvrir ensemble. On va essayer. Est-ce qu'on peut les faire pivoter en arrière ou en avant? Je ne pense pas. Je pense qu'elles... Non. Elles peuvent juste coulisser, en fait, de gauche à droite, mais pas d'arrière à l'avant. Donc, pour lui trouver une pose, ça va être assez galère. Ça va être assez galère dans le sens où ça va être impossible de le faire tenir sur une de ses ailes. Non, ça va pas être possible. Donc il va vraiment falloir jouer, les amis, un maximum avec vos décors, vos vitrines, pour essayer de faire en sorte que ce personnage ne se casse pas la tronche. Voilà. Moi, de mon côté, je vais le poser sur décor, donc ça ne va pas me causer souci. Mais ça va être difficile quand même de le poser. Ça va être très difficile. Donc, pour éviter d'avoir tout accident en live, ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques secondes pour la pose que je pense lui donner en vitrine. Donc, ne quittez pas, les amis, je reviens dans quelques minutes. À tout de suite. Recoucou les amis, alors me vous revoilà donc après un petit quart d'heure de mise au point au niveau de la pose, afin de vous présenter la pose définitive. Alors ça a été très 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 difficile. Pourquoi? Je ne suis pas libre de mes mouvements quant à ce personnage, étant donné que les ailes sont vraiment hyper pesantes. Regardez, là il pose sur l'écran, mais si je le laisse partir, il part en arrière. C'est impossible, les ailes font au moins presque un kilo. Non, je rigole, mais c'est très très pesant. Mon objectif étant de vouloir le poser dans une pose plus comme ceci, regardez, plus comme ceci, mais c'est vraiment quelque chose qui est impossible. Donc, ce que je vais faire, c'est de mon côté aller voir directement en vitrine ce qu'il y a moyen de faire, parce que ça sert à rien de lui donner une pose définitive sur le bureau et de devoir la changer une fois en vitrine parce que le décor ne s'y prête pas ou quoi. N'oublions pas que j'ai quatre personnages encore à placer sur ce décor. Donc je vais vraiment devoir être très 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 technique et faire preuve vraiment d'intelligence au niveau du posing du personnage. Ma pose vraiment adéquate aurait été celle-ci. Regardez, ça aurait vraiment été ce qui m'aurait vraiment bien plu. Bon, je vais le tenir en main pendant que je vais le placer en vitrine parce que sinon il va tomber. Je vous dis à tous, à tout de suite les amis. Donc ne quittez pas, hein, je reviens. À tout de suite. Recoucou les amis, ben nous voilà devant la figurine placée en vitrine. Et cette fois-ci, c'est vraiment la pose vraiment par excellence. Je vous explique le choix de cette pose. Alors, j'ai placé le personnage de cette manière. Alors, ça ne paie pas de mine hein, quand on le voit comme ça en vidéo, mais je vous assure que de face, en vérité, en live, devant la vitrine, c'est tout autre chose, hein. J'ai placé le personnage de la sorte pour ne pas qu'il soit trop dans le fond. Déjà, une première chose, pour ne pas qu'il touche complètement le décor. Donc, j'ai fait en sorte de coincer son aile là-bas avec les cailloux et de poser son aile là sur le caillou pour lui donner une certaine stabilité. Je n'ai pas voulu placer le personnage au centre du décor parce que quand on regarde les autres décors, les personnages, regardez, sont déjà au centre. Alors, d'un visu, ça ferait un petit peu trop symétrique, ce serait pas très joli. Là-bas au-dessus, on a pas mal de personnages, comme on peut le constater. Là, on en a trois qui sont bien, bien, bien posés. Et là, on va en avoir quatre. On en a trois, quatre, cinq au-dessus là-bas. Six, sept, huit. Bon, ça nous en laisse quatre ici. Donc, il fallait absolument que je gère pour avoir la place pour quatre personnages. Donc, le Sagittaire étant presque au milieu, on va mettre le Taureau là-bas. Ou le Taureau plutôt là-bas. Le Taureau qui prend quand même beaucoup de place. En reculant le Sagittaire de ce côté, ça nous laisse plus de place pour le Taureau. Donc le Taureau va se retrouver là. Il va nous rester le Poisson, qui lui, le Poisson, va aller là-bas dans le coin. Je vais essayer de trouver quelques petites roses pour les mettre autour du pilier là-bas. Et enfin, la Balance, qui elle ne possède pas de cap, ni d'aile, ni quoi que ce soit, va se trouver ici. Donc la Balance, je vais essayer de lui mettre une pose. Il n'est pas très très volumineux, je vais essayer de lui mettre une pose ici, sur l'avant. Ça me permettra d'avoir un rendu et un visu des flux exceptionnels. Regardez, on va refaire un tour de la vitrine. Voilà. Regardez-moi ça. Les planes, enfin les casual clothes, quant à eux, prennent place en dessous avec l'armure d'Odin là-bas sur le socle. Vous voyez ce que ça donne? C'est provisoire évidemment parce qu'on ne pourra pas mettre les 12 chevaliers
en casual clot en dessous, étant donné qu'il y en aura probablement 12 s'ils sortent, mais bon, c'est pas une certitude. Donc voilà, provisoirement, ça donne comme ça. Mais regardez-moi ça, ce Sagittaire. Je vais voir si je peux allumer. Attendez, je vais chercher. Voilà, pour allumer les vitrines. Voilà, regardez-moi ça. On retrouve un peu dans sa pose le charisme de la pose du lion. Hein, regardez. On va refaire un tour de chaque étage. Je parle pas beaucoup pendant la vidéo ici. Pendant cette partie de la vidéo, et je vous laisse admirer. Comme l'éclairage est joli, la lumière est belle. Regardez le Gemini Saga. Le Verseau. Et enfin, maintenant, le troisième étage. Le Sagittaire. Bon, vous le savez maintenant, le Sagittaire ne restera pas définitivement posé comme ça. Ça coule de source. J'ai tendance à remanier un peu les étages une fois que les autres protagonistes arrivent. Donc, il y a de grandes chances que je revoie encore la pose du Sagittaire. Hein. Donc, rassurez-vous, c'est peut-être pas forcément une pose définitive. Mais en tout cas, pour le moment, elle me plaît vraiment et met bien en avant le personnage. Voilà, bah écoutez, c'était Mighty Gra pour une nouvelle vidéo de présentation. Ici, c'était la vidéo de présentation du Sagittaire en version EXSOG. À mon sens, c'est ma plus belle vitrine. Je trouve cette vitrine vraiment fabuleuse. Mon ami et partenaire Tadashi Dio a réalisé des décors vraiment incroyables pour ces SOG. C'est vraiment une vitrine qui est sublimissime. Voilà, je vous dis tous à très très bientôt pour la vidéo de présentation de la prochaine figurine. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit et on verra ensemble tout ça. À tous, à très très bientôt. Ciao ciao les amis. を見た感想は。